Salut à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Surviving Mars. Alors, premier point que j'ai fait, j'ai donc installé la ferme hydroponique et j'ai mis en place deux productions géantes, puisque j'ai dû les débloquer, je ne sais pas exactement comment, mais c'est quand même bien plus intéressant que le classique qui ne donnait que 2,5. Alors pour la même consommation d'eau. Donc j'ai les feuilles géantes et les herbes à blé géantes. Donc j'ai fait la même chose pour l'autre. Et donc j'ai supprimé la ferme extérieure. Je continue à aplanir le terrain pour essayer de voir si je peux gagner un peu de place. J'ai construit des navettes supplémentaires, ça m'a coûté un petit peu. Mais j'avais toujours le message quand je voulais transférer un colon d'un dôme à un autre. Vous voyez, voilà, j'ai plus personne. J'avais toujours le message, pas assez de navettes. Alors au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'en ai construit deux de plus à chacun, puisqu'ils partaient avec trois. Ça fait cinq. J'ai repris l'enregistrement parce que voilà, la liquéfaction de roche va arriver parce que bien évidemment avec toute la le terrassement que j'ai fait, mes stocks sont pleins. J'ai commencé à construire dans le nouveau dôme. Donc j'ai mis deux labos de recherche, un poste de sécurité, une ferme hydroponique, un restaurant, un terrain de jeu. Une infirmerie, trois appartements, qui vous le voyez, il y en a un qui est déjà bien rempli, le bar et le gymnase de plein air, et un petit jardin qui est ici. Donc c'est déjà pas mal, ah oui, et puis l'épicerie, voilà, j'ai mis un peu de chacun, on va voir, hein, on verra bien comment ça va se passer. J'ai eu encore un, donc la navette est là, tiens d'ailleurs. Lui j'ai oublié. J'ai encore eu un message de manque d'énergie, donc j'y suis allé franco, j'ai rajouté 3 générateurs Stirling. Et puis dès que la recherche est terminée, donc j'ai une fusée en cours qui ramène 22 passagers. Dès que la recherche est terminée, ce qui arrive de suite, je vais slotter le nouveau réacteur à fusion, comme ça on n'aura plus de soucis, même s'il va prendre du temps à se débloquer. Voilà. Eh ben, on a dit 4000 et 7000. On va slotter lui d'abord. Je suis à 1000 pour le moment. Donc, maintenant, je peux construire. Voilà. Alors, on le met où ? On va pas s'emmerder, hein. on va le mettre ici. Et puis, bien évidemment, là, par contre, il va falloir mettre des dépôts, hein. Des dépôts de béton. Il va y avoir du béton. Ah, zut, j'oublie de... Ouais. Voilà. Et puis, ben, on va faire ça. Alors, premier point, premier jet qui est effectué. Ensuite, le deuxième. On va le mettre ici. On va faire la même chose. Oh, j'ai aplani. Arrête de m'emmerder avec le terrain inégal. Regardez ça, c'est pas sérieux.
Ah, il me manque un truc. Il me manque une chose. Où est-ce qu'elle est? La ferme hydroponique. Eh bien oui. Ce serait peut-être bien que je fasse ça, hein. Voilà. Mais celui-là en 10 et celui-là en 16. Allez, petit gars. Oh putain, mais vous m'emmerdez, c'est pas vrai ça. Mais arrêtez-le, bordel! À quoi vous servez? Parce qu'il y a la plage horaire inactive? Eh ouais! Putain, j'en ai 5 maintenant! Ah non, 7! Non, 5! Eh non! Ouais, de 5 et de 7! Ah, ça me gave! À quoi ça sert de mettre les postes de sécurité s'ils font pas leur boulot? Voilà, nombre de renégats sous le dôme, 2. Évidemment, maintenant ici, j'ai pas. Alors, il faut que je mette le poste de sécurité. Oh là là. J'ai pas assez d'agents. J'ai pas pu en faire venir. J'ai pas assez de monde. Vous voyez, j'ai tellement mis de filtres en place, les amis, regardez. Je filtre par groupe d'âge. Donc j'ai supprimé les âges moyens et les seniors, parce que de toute façon, ça sert absolument à rien. Ils sont trop vieux pour travailler, donc il n'y a aucun intérêt qu'ils viennent. Et eux, ils approchent de la retraite. Ensuite, j'ai ciblé ici aussi. Je veux pas d'alcoolique, je veux pas de malade chronique, je veux pas de lâche, je veux pas d'idiot, je veux pas de fainéant, je veux pas de géniard. Yeah. Ça me limite énormément. Et là, ben, vous allez voir. Voilà, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un de disponible. Et en plus, il est social. Là, c'est une catastrophe. Hein. Ça devient vraiment tendu, difficile. Faut que je mette ça. J'ai pas le choix. Capacité des batteries augmentée de drone. Bon, tu dégages, on s'en fout. Productivité pour les ingénieurs travaillant dans leur domaine de compétences. Oui, bon, bah ça. Donc, il y a une chose qui me déçoit pas mal, c'est qu'on peut pas déplacer, vous voyez. Bon, l'argent, c'est pas un problème. Je mettrai celui-là aussi, hein. Plus 10 de productivité pour les scientifiques et les botanistes. Donc je la rajouterai, mais... Ah oui, merde. Augmente la recherche fournie par le sponsor. Ah. Oui, je suis obligé. Non, voilà. Voilà. Boum. Alors, rendez-moi. Ils ont aplani un peu ici. On gagne pas tant que ça. Bon, ça y est. Eh non, toujours pas. Alors, la fusée arrive. On va voir ce que ça va donner. Aïe, aïe, quand c'est en rouge, c'est pas beau du tout. Une anomalie détectée. Qu'est-ce que c'est ça? Un objet noir inconnu en forme de cube que nous n'avions encore jamais détecté. Oula, ça me plaît pas ça.
vraiment bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Voilà, le pouvoir des trois. Centre de contrôle, journal 66. Data logs confirm it. It isn't a glitch. Un scan de routine du périmètre a détecté un objet non identifié à proximité immédiate de la colonie. Les journaux de données ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un bug. L'objet mystérieux se révèle être composé de cubes noirs, comme le G, et arrangé sous forme de matrice. Les cubes semblent léviter au-dessus du sol sans l'aide de structures de soutien. L'analyse préliminaire des images n'a rien donné. Il faut mener une enquête sur place pour étudier l'anomalie. Il faudra être prudent. Oui, 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 oui. Et les amis, ça va faire mal, ça, à mon avis. Ouh là là, oh là là. Oh, j'aime pas ça. New colonists have arrived. Bon. Je laisse le temps qui s'installe. Ouh, l'analyse est longue. Écoute, toi, tu vas faire une chose. J'aime pas quand c'est un rouge. L'analyse sur place de la structure non identifiée n'a fait que creuser un peu plus le mystère. Les faits semblent indiquer que ces cubes sont loin d'être un phénomène naturel. L'intérieur des cubes ainsi que les forces régissant leur lévitation demeurent une énigme. Les cubes individuels et leur structure combinée conservent une symétrie parfaite. Toute tentative de perturber leur position a échoué. Plus étrange encore, l'analyse de la spectroscopie photonique des cubes a révélé qu'ils émettaient une radiation sur une longueur d'onde inconnue qui excite les électrons au sein de la lentille spectroscopique. Bien que notre équipe scientifique refuse de tirer des conclusions hâtives, l'ingénieur en chef suggère d'étudier l'effet empirique sur les panneaux solaires de la colonie. L'équipe scientifique a demandé la permission de démarrer des recherches expérimentales sur les propriétés des cubes. Bon. Yeah. Alors, je fais une chose, moi, les amis. Je vais terminer ces deux-là. Et ensuite, je balance là. Attends, parce que... Voilà. Les trois botanistes qui sont en train de bosser ici. Bon, bah, évidemment. Hein. Évidemment. Donc, j'ai beaucoup d'appartements. Attendez, mais j'ai plus que ça de... Ouais, j'ai plus que ça de... De scientifique. Et oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah ben, ils sont allés où alors? Où est-ce qu'ils sont allés bosser encore? Ouais, c'est bon. Et ici c'est bon. Mais ils sont passés où les autres? Où est-ce qu'ils étaient allés me les mettre? C'est qui lui? Oui, docteur en infirmerie. Bon, il est tout seul, mais...
façon, j'ai pas grand chose. J'ai pas tellement le choix. Ah bah, je peux pas. Ne me dites pas qu'ils sont allés les mettre à l'épicerie quand même. Non. Ils ont où? Ils sont venus ici? Ah oui. Bon. L'important, c'est que j'ai du débit. Je vous ai dit, c'est dramatique la gestion. Effectivement, j'ai mis beaucoup de filtres moi, donc. Sector scanned. Alors. Très bien. Voilà, 1500. Eh, parce que j'ai un objectif, les amis. Hop. 3000. Pour récupérer 30 scientifiques. 30 candidats scientifiques. Ça veut pas dire qu'ils seront bons. Hein. Et par contre, j'ai un petit souci, c'est que ben, j'ai pas de spécialiste. J'en ai pas encore eu un. Eh, c'est pas mal ça, hein, mais bon. Hey, ouais, super. C'est des bons scans, ça. Ce sont des bons scans. Mais pourquoi elle avance pas la construction? Attendez. Ah, effectivement, si je mets pas de dépôt. Ah, ben voilà. Je comprends pourquoi dans le coin ça déconne. Voilà. Ça va beaucoup mieux d'un coup. Bon, alors, vu que j'ai une fusée. 12 heures sans géologue, ça vaut le coup, à votre avis? On a encore SETI? Ah. 100 et 100. Ah, c'est, je suis vraiment juste. Hein. J'ai des sous. J'ai des sous. On fait un ravitaillement. Il me reste 20 tonnes. Ça vaut le coup de faire venir une fusée que pour ça. Mais le coût de matière... J'y arriverai à devenir autosuffisant. Hein. C'est pas un souci. Hein. Là, j'ai plus beaucoup de financement, donc ça veut dire qu'il va falloir que je renvoie des... Ouais. On va le faire, et puis ben, on va faire un truc aussi. C'est que, voilà, on va autoriser l'exportation. J'ai pas grand-chose. Hein. Et, parce que jusqu'à présent, voilà. Est-ce qu'elle est ici? Ouais. Je suis un peu juste, je manque de personnel. Je vais y arriver. Bon. Bah dites-moi, si c'est 3 par sol, les amis. Bon, à partir de 10. Mais ça veut dire 30 par sol. J'en ai presque 600. Pour un moment, aller vider tout ça. Et ici, c'est pareil. Hein. Oui. Ça me plaît pas, ça. Hein. Bon, on en est où? Voilà, 85. Research complete. Voilà. Bam. Allez, ben maintenant on peut balancer ça devant. Je crains les pires. Donc maintenant que j'ai fait ma recherche, où est-ce qu'on en est au niveau des... Ouais, mais... Bordel, ils ont vraiment de ces traits à la con, c'est pas possible. Jamais y arriver, hein. J'en ai qu'un.
Population supérieure à 30. Ça veut dire que si je le prends, il faut que je le mette dans ce dôme. Même pas. J'ai que dans celui-là où je peux le prendre. Donc je suis obligé de déplacer quelqu'un d'autre. Oui, ici j'ai plus de 30 parce que j'ai l'école. Et là, ben, on va vers 70. Donc. Tendu. Très étendu. Bon, les amis, eh ben, j'en arrête là pour aujourd'hui. Ça avance, mais là ça devient difficile. Peut-être que je me suis un peu trop dépêché au niveau des dômes. Mais j'ai besoin de produire. J'ai besoin de produire des ressources. Parce que les polymères, on en a beaucoup besoin. Les pièces détachées, les pièces électroniques aussi. Bon, le carburant, j'ai aucun risque, aucun problème là-dessus. J'ai presque 3000 de roches stériles. Oh la vache. J'en produis 41 alors que j'en consomme que 30. Donc ça veut dire que ben, on est reparti pour construire une autre usine de roches stériles. Parce que. Faut que je fasse sauter tous ces débits. Alors on va le mettre là. Donc. On va mettre également les dépôts de béton. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Surviving Mars. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt dans la suite. Salut, bye bye.